Toujours avoir une bouteille de Perrier à côté de soi. Ça revitalise. Bon, allez, c'est parti. Et c'est parti. Oh! Ah, mais c'est quoi ce début de live? Find a way in and check the entire house. Oh, la catastrophe. Ok, j'ai jamais joué sur PC, donc faut être très gentil avec moi. Ok, déjà c'est... J'ai déjà peur. Ah, j'ai pas commencé. Je peux pas dire ça. En vrai, tu vois, moi je suis le genre de mec qui fait toujours les trucs qu'il faut pas faire. Tu vois, là je... Je suis en train de partir derrière la maison alors qu'il fallait simplement rentrer. Désolé, c'est chiant, mais ça me nique les oreilles en fait. Je suis en train de gueuler en plus. Et par contre, mais putain, mais c'est des cons quoi. Ah, et là j'ai les touches interagir, lampe, abandonner. J'abandonne jamais. Ok. Shift, sprinter, ça va être très important, et sauter, contrôle. Ok, parfait. Ouais, j'ai vu, mais je m'entraîne à l'ordi en vrai. Bon, vas-y, c'est bon. Donc là, sprinter, là, la lampe de poche, ok. Et là, il a dit sauter, ouais, ok. Malade. Vivement que j'ai mon tapis de souris aussi. Mais what the fuck? Hey. En fait, il y a un problème que j'ai, c'est que quand je lance un jeu d'horreur, j'arrive pas à me dire c'est un jeu d'horreur. Tant que je me suis pas fait niquer au moins une fois avec un screamer. J'ai essayé de la sauver, mais j'ai échoué, j'abandonne. Je jure de ramener Gretchen, mais je crains que la petite fille ne soit perdue à jamais. Elle veut jouer. Ok. Wesh. Ça m'a déjà fait peur. C'est un funéraire de Vider, de pompe funèbre, cérémonie enterrement, incinération. Prenez rendez-vous, nous offrons également des services privés. Du bois, encore, ok. Il y aura un truc à faire avec le bois, je pense. Je peux pas le lire. Bois ici. C'est quoi tout ce bois? Je comprends pas. Oh, ça, ça me plaît ça. Un peu de vin. J'ai entendu marcher. Quelqu'un qui a marché. Ah, c'est moi. Mes propres pas. Mais je tourne en rond en fait. Ah. J'explore tout moi. Une porte cassée, ok. Oui. Ok.
courageux. Et là, je fais le mec parce que je suis obligé de faire le mec parce que je suis en stream. Ok. Ah putain. Encore ? Ah yes, le bruit de la pluie s'est arrêté, c'était infernal. C'est quoi ça? Je comprends pas. Ok, je crois que je l'ai posé du coup. Je ne sais pas comment s'expliquer facilement ce qui s'est passé, j'ai perdu ma fille. D'habitude, à cause du mal. Ma fille a été... Pourquoi je dis si? Ma fille a été possédée par une incontrôlable puissance des ténèbres. Si elle est toujours là, vous êtes en danger. Je ne vois qu'un seul moyen pour l'arrêter pour de bon, brûler les poupées marquées. C'est une poupée marquée, j'imagine. Wesh! Non, mais là, ça fait trop peur, par contre. Mais... reviens là, toi. Je comprends pas, là elle est quoi là? Elle est. Je l'ai ou. Non, là je l'ai. Mais là du coup elle y est pas. Oh là là, mon dieu. J'ai raté la porte. Je suis pas prêt à jouer à ce jeu. Je suis pas prêt. Oh, une poupée. J'ai compris. Attends, juste. Je vais me faire niquer. J'ai compris. Ah oui, putain. Le Google. Je vais le faire depuis ici. Je sais pas si ça va me faire tout recommencer ou pas. Ouais, en fait, j'ai compris le but du jeu, là. Okay. Je recommence, c'est pas grave. Je vais foncer. Ok, this is the place. Find a way in and check the entire house. En fait, j'ai compris, il faut que je prenne les poupées et que je les brûle avec les bois qui est en bas. C'est pour ça qu'il y a autant de bois. Et pour les brûler, faut que je pense que je trouve la cheminée ou un truc comme ça, elle doit être dans le salon principal, je pense. Ah, j'ai raté une poupée d'ailleurs, du coup. Si je me rappelle bien, il y en a une. Pas du tout, gros. Si je me rappelle bien, il y en a une en bas. La première que j'ai prise. Je l'ai prise vers un fond. Et en fait, plus je vais brûler les poupées, je pense, plus l'autre, elle va être dans le jeu. Des fois, j'ai l'impression d'être un génie parce que j'ai compris le but, mais en fait, non, c'est juste tout le monde a compris, quoi. Ah, mais donc, d'ailleurs, est-ce que... oublie pas le bois aussi. Mais je sais pas. Je sais pas si je le prends ou pas. Si je le prends maintenant. Ce qui est le plus dur en fait, c'est que je connais pas comment on joue sur PC. Ok, donc là les bruits que j'entends, c'est cette vieille folle en fait, c'est ça? Ouais, j'ai encore eu peur par la poupée, mais j'ai eu des sueurs froides carrément. Non mais là c'est trop là. Un jeu ne m'a jamais fait ça. C'est la première fois que j'ai autant peur. Non mais faut qu'elle reste là où elle. Il doit y avoir une cheminée par là. Clé. C'est cette clé de chambre.
j'ai pris le bois dans le dos. C'est quoi des allumés? Mais là, il y a un truc qui me vient dessus, non? On va te faire foutre. Il faut que je trouve la cheminée, je pense. Avec les allumettes, le bois. Je pense que ça se brûle dans la cheminée. Hein. Par logique. Elle fait trop peur, cette poupée, là. Ça va pas? Ça, c'était fermé tout à l'heure. Donc, c'est ma clé, elle me permet d'ouvrir ça. Je pense qu'elle est dans la pièce principale, la cheminée. Genre, ça m'étonnerait pas que ce soit par là. Je sais pas pourquoi je suis bloqué sur la cheminée, je pense que c'est ça. Encore des allumettes, ok. Si putain, à chaque fois, faut que je réunisse du bois, des allumettes. Attendez, mais il y a un truc qui est passé là. Non, j'ai rêvé. J'ai peur. J'ai envie de pleurer et tout, quoi. Mais putain, et ça c'est... Pourquoi ça fait ce bruit, ça? Forcément un truc à faire. Ok, putain, je suis bloqué sur... sur la gauche? Je crois que t'avais un item sur le four. Attends, je viens d'où? Je viens de là, moi. Pas du tout. Bon, par contre, je vous cache pas, là, je suis vraiment perdu. Ça, là, l'item! C'est les allumettes, mais je peux pas les prendre. Sur le four. Sûrement un aveugle. Quoi ça? Vas-y, dégage, frère. Putain. Texturiser les trucs un peu là. J'ai peur qu'en fait, plus j'ouvre des portes, plus je suis dans la sauce. Encore des allumettes. Parce que je me dis peut-être qu'avec les portes fermées, bon, si c'est un fantôme, donc, logiquement ça traverse tout ce qui est possible et inimaginable. Ben quoi? Mais quoi? Quoi? C'est quoi ce bruit? Enfin, là, je veux bien avoir peur, mais je sais même pas pourquoi, en fait, donc non, je suis pas d'accord. Ça se voit que j'ai peur. Cours! Mais cours, putain, j'ai pas la touche! Nique ta mère. Mais frère, mais tout est bloqué. Ah, les portes se ferment. Oh non, non, ça va me faire craquer. Mais... mais quoi, mais... mais est-ce... non, là, elle sous la gueule, elle est en train de faire grincer les portes juste pour me faire serrer. Point de départ. Ok. Mais moi aussi, je peux le faire. Hein. Ça fait pas peur, hein. Ou alors c'est en haut qu'il faut faire brûler. Ou alors je cherche un truc. Ou alors je cherche un truc que c'est pas ça à faire. Autant j'ai juste... ah mais... si, une cheminée, il y en avait une en bas au sous-sol. Faut aller au sous-sol. C'est où déjà? C'est par là. Oh. Ouais, ça va. Il y en avait une, il me semble, là. Peut-être pas de ce côté. C'est quoi ça? Ok. Non, franchement, je l'ai pas. Peut-être de l'autre côté. Ah non, mais c'est fou de rien comprendre au jeu à chaque fois. Bah, tu peux venir. Là, tu me tues, c'est pareil. Hein. Ça me dérangerait pas. Bon, ok, ça me dérangerait, j'avoue. J'avoue, ça me dérangeait. Oh putain, je suis perdu, je cherche quoi? Je fais quoi? Qui je suis? Oh. Non mais elle se fout vraiment de ma gueule. Ok, bon.
J'ai plus d'idées là. Elle est au-dessus de moi. Je crois que c'est pas bon signe quand j'entends ça. Enfin, j'aurais tendance à dire ça, quoi. Par contre, c'est un lion ou c'est un fantôme, frère? Quoi, si c'est la reine où on meurt, ben au moins j'aurai tout exploré. Marre-toi, je vais te brûler dans 2 minutes, tu vas rien comprendre. Déjà, je suis bien fier de moi, j'ai eu les couilles de monter jusqu'ici. Je comprends vraiment pas. Faudrait peut-être exploser la maison là-dedans. Mais... Ok, c'est bizarre qu'il y ait... C'est moi, je dois être aveugle en fait, il n'y a aucun item et tout, c'est pas possible, je suis tout en haut. Il y a forcément des clés ou des trucs, il faut que je me concentre, je suis pas concentré, l'autre elle me déconcentre là avec ses bruits de facochère. Ok. Je vais lire ça, tu vois. Une fois le rituel terminé, nous brûlons le corps dans la cave. Nous les avons brûlés dans la chaudière. Cela garantirait que leur esprit accéderait au royaume suivant. Mais ça, on respecte. Mais... Arrêtez, je vais devenir fou. Ok, je la croise dans l'escalier, je suis mort. Hein. J'aurais pas le réflexe. J'aurais pas du tout le réflexe de m'extirper. La cave. On est d'accord, la cave, c'est là où j'étais. J'ai l'impression qu'elle est derrière moi. C'est un peu chiant d'ailleurs. Salon funéraire de Luder. Offre des services dans les moments difficiles. Guérison, hein, cérémonie, enterrement, incinération, c'est ce qu'on veut. Prenez rendez-vous, nous offrons également des services privés. Et donc du coup j'y suis, j'ai des allumettes, j'ai du bois, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je retourne là. Non, là je vais regarder sur internet, c'est pas possible. Donc les poupées, tu dois juste les brûler. Et à la fin c'est au sous-sol. Oui, mais je peux en porter qu'une par une. Donc je dois les porter une par une en fait. En bas je dois les brûler une par une, je pense. Et plus je vais les brûler, plus elle va être excitée l'autre folle. Mais je pense, hein. Mais déjà, je sais que le jeu, je vais avoir du mal parce que c'est un jeu qu'on peut faire en coop. Et attends, est-ce que je peux... Mais j'ai pas d'inventaire, rien. Info, tab. Ok. Tab, c'est quoi? Ouais, c'est ce que j'ai fait en fait. Alors il me faut une clé. Putain, merde. Chaudière. Ça ressemble un peu à une chaudière, ça. Je suis venu pour les travaux de la maison, en fait. Bon. Écoute. Hein? Et si c'était là? Elle est en train de me fermer toutes mes portes, je vais être perdu encore. Ok, bon, je vais aller voir la petite dame qui se loge en haut pour aller lui demander où elle est la chaudière. C'est bon. Excusez-moi.
C'est le monsieur pour l'entretien de la chaudière. Beaucoup de nos clients auraient souhaité avoir l'honneur de parler à leur proche de la suite de la télé. Commencer là, ce rituel. Pourquoi il me raconte sa vie, frère? Je suis pas un histoire géo, je m'en fous là. Oh, ta grand-mère. Ah, je l'ai la poupée, ça y est. Wesh! Nique ta mère! Est-ce qu'il éteint la lampe torche? Ça aide vraiment. Oh my god. Non mais, on va tester, hein. Mais, Arcasis, tu penses que les poupées, je dois les brûler à un endroit spécial ou... Parce que, genre, vraiment, j'ai un peu fait le tour, il me semble. Ou alors, je suis vraiment, vraiment très, très nul. Ce qui est une forte possibilité. J'ai un problème de texture, je vais essayer de quitter. Et je vois pas. Mais je comprends vraiment pas. Puis en plus, je peux vraiment les porter qu'une par une, quoi. Et j'ai même pas d'inventaire. Attends. Hein? Comment j'ai fait ça? Mais... Reviens-toi. R. Non mais ça change rien, c'est la même touche que pour prendre en fait. Ok. Ou alors c'est là peut-être. Si je la lâche là, la poupée. R. Et en haut, peut-être qu'il y a des touches pour... Ah ben non, ok, ça. Hein, ou alors c'est juste sur des bouts de bois autant. Je me mets juste comme ça sur des bouts de bois. Il y a une touche peut-être pour... Ah non, pas ça. Je suis mort. Mais comment j'accède à mon allumette? Oh, vas-y, c'est trop. Je comprends rien, ça me saoule. Je m'y attendais, hein. Je m'y attendais, j'ai eu la peur. Ok, c'est pas grave, de toute façon fallait que ça arrive. Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je réessaye. Flipper de fou, il n'y a pas de cisaille. Ok, this is the place. C'est trompé de chose. Find a way in and check the entire house. Je pense que s'il nous faut arriver là, c'est qu'ici, il y a un endroit qu'il faut prendre, qu'on voit. Ah voilà, elle, c'est une poupée marquée, elle. Ça, c'est le prologue, ça, c'est pour nous faire, pour nous aider. Donc là voilà machin et tout, là on a du bois. Et donc...
souvent par là. Moi je pense que c'est par là. Ça fait flipper, elle se tient debout comme ça. Et après il disait de le mettre sur des pics. Mais non, mais c'est... ça c'était dans un autre jeu, je suis con. Et ça m'a embrouillé plus qu'autre chose de regarder la vidéo. Ah oui, j'avais elle, t'as raison, Arkasis. Je vais laisser mon goal là. Clé. J'ai perdu ma femme du fait de la mort de ma vie adoptée au dessus de ma fille. Donc là, ils me disent bien brûler les poupées, celles qui sont marquées, et à côté, ils mettent celle qui est pas marquée justement, pour me montrer la différence. Je me suis enfermé dans différentes parties de la maison à essayer de trouver le moyen de la sauver. J'ai un jeu de 5 clés. Chaque clé ouvre des portes dans différentes zones de la maison. Il y a le grand vestibule, la chambre, la cave. Ah, donc la cave est fermée. Le grenier et les portes principales. J'ai laissé une seule clé dans chaque zone pour en débrouiller une autre. Donc là, j'ai une clé, donc... presque le premier objectif, c'est de trouver toutes les clés, quoi, en fait. Putain, mais c'est long. Si l'autre, elle est autant acharnée, ça va être méga long. C'est là où j'étais bloqué tout à l'heure. Des allumettes, parfait. Toi t'es pas marqué. Bonsoir. En fait, le seul truc qui me fait hyper... pourquoi elle marche plus? Non, en fait, je préfère quand elle marche. Putain, sa mère. Mais ça, c'est un jeu qu'il faut que je fasse avec d'autres gens. Elle pourrait se retourner contre vous en un instant. C'est comme ça qu'elle a tué ma femme, Gretchen. Lui donner la poupée avait toujours fonctionné. Je dois continuer à me dire que ce n'est plus elle. Lui donner la poupée avait toujours fonctionné. Non, non, mais je ne lui donne rien du tout à la collègue. Je connais les lumières comme ça, bon, ça me rappelle quelque chose. Et on se retrouve ici, au point de départ. Ah non, c'est pas le point de départ. Ah oui, d'accord. Donc en fait, si on a eu le message pour les clés, ça veut dire que là, je pense qu'il y a une clé pas loin pour ouvrir la cave, en fait, ou une autre zone, si j'ai bien compris. Bah, je vois une poupée qui n'est pas marquée, du coup. Mais c'est la fin. Mais elle marche maintenant? C'est trop pour moi. Je vais me coucher à l'étage. C'est le zoo? Ma femme et moi dirigeons le safe. J'ai peur. Nous n'avons jamais eu peur des morts. En fait, cela ne... nous intéressait tous les deux, la manipulation et la préparation des cadavres faisaient partie de notre quotidien. Bon, tout va bien, quoi. Tu vas devoir mettre... t'as compris qu'il fallait les mettre dans le grenier, toi? Moi, j'ai compris à la cave. Ou alors, il y a une traduction... des fois, peut-être que...
la traduction, genre ils te disent la cave en français, mais autant ça correspond à un grenier peut-être, je sais pas. Je sais que des fois les mots c'est bizarre, mais par contre il y a rien à faire dans cette pièce. Oh. Ah, d'accord, donc en fait il y a plusieurs monstres. Donc il y a celle qui grogne, c'est elle, ok. Je pense qu'elles ont toutes une façon de les échapper. Monumental. Ce n'est pas moi. Grenier. Putain, mais la pelle. Si je pouvais la prendre, je mettrais un coup de pelle à cette vieille folle. C'est ça. Non, je suis allé chercher. Go to the basement and pick up the mark doll. You can use it. Alors, tu peux utiliser ça pour ouvrir la porte. La clé. Oui. Tu peux revivre. Tu dois aller dans le grenier pour les poupées et après le sous-sol pour son corps à elle. La tondeuse là. Ok, et du coup je pense que c'est ici clé du grenier, donc il faut que j'aille là, faut que je trouve la clé en fait, d'accord, si j'ai bien compris, c'est ça. Et peut-être que du coup la clé se retrouverait au même étage, ça arrangerait beaucoup les choses, ce qui je pense n'est pas le cas, et de toute manière je suis un gros noob. Ah ouais. Comment ça va? Allez, c'est ciao. Quel nulos. Ça va t'ouvrir ça. C'est elle qui m'a ouvert la porte. Je suis sûr qu'il y a une clé là. C'est... Le rituel de François Esprit. J'ai pas le temps de lire. Ça se voit, non? Je suis sûr qu'il y a une clé là, c'est pas possible. Donc la fantôme, ça sert à rien que. Elle vient de fermer la porte là. Je dois aller dans le grenier pour les poupées. Clé! Clé du grenier! Hé! Hey. Oh! Je le jure, les petites poupées marquées bougent parfois. Peut-être depuis que nous y mettons des âmes, je ne sais pas. Je n'avais pas lu que cela pourrait arriver. Peut-être que je ne fais que de voir des choses. Donc gardons la première d'entrée dans le grenier. Quand même, je trouve que c'est pas facile de comprendre. Genre, enfin, on est là, nous, on débarque sur le jeu, il n'y a pas d'explication. J'ai mis français, c'est encore en anglais. Enfin, à part la lecture, mais... Le mec, au début, il te parle en anglais. Faut que j'arrête de marronner, en vrai. Ok. Et du coup, je fais comment pour sortir d'ici? Ah, c'est bon, c'est plus drôle, madame, là. Vous pouvez m'ouvrir. On a bien plaisanté. Mmh. Elle m'a ouvert. Mais elle est adorable, cette personne.
faut pas la regarder. Ah, on connaît ici, c'est un piège. Elle est où? Je viens de là-bas. Je suis mort. Adieu. Et du Grunts. Il est où le Grunts? Il est là. Non, 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 je me suis fait niquer. Non, reviens, reviens. Et putain, j'en ai une dans les mains. Oh, le con. Clé de la cave. Oh, je me suis fait niquer. Ouais, c'est fait exprès en vrai. Faut que je les retrouve. Non, ça j'aime pas par contre. Quand on court dessus, je sais pas d'où ça sort. Donc j'ai trouvé toutes les poupées, mais ça me dit pas où est-ce que je dois les poser du coup. Ou alors il faut justement que je les pose dans la pièce. Mais si à chaque fois ça, elles repartent, ça va pas le faire. Parce que tout à l'heure, quand je suis mort, elles étaient sur la table, les poupées. Dans l'animation. Elles étaient sur une table ronde, comme ça, là. Enfin, un peu plus ronde. Plutôt celle-là, ouais. Je me dis, autant, faut juste que je les pose, et une fois que je les ai récupérées et posées, elles bougent plus. Oh. Allez, elle, je la pose là, et on va chercher les autres, c'est bon. On va avancer. Ouais, par contre, attends. Toi, tu bouges pas. Fermer ça. Ok. Maintenant, on a les clés de la cave. Oui. Ok. Où c'est que... ah, ah. Oh putain, toi j'arrive. Oh, toi j'arrive. Oh, cache-toi parce que j'arrive. Mais elle se fout de ma gueule en plus. Mais... non. Elle ouvre les portes. Non. Je suis désemparé, je suis désemparé, je suis désemparé. Je... j'arrive, j'arrive. Bougez pas. Oh putain, j'avais carrément oublié qu'il y avait d'autres trucs à faire. Éviter. Oh, j'arrive toi. Oh, oh oui, j'ai la clé. C'est vrai. Ah oui, maintenant j'ai la clé. Mais ça me ramène juste ici en fait. Je reconnais. Je suis pas con en fait. Ça m'ouvre juste des raccourcis. On va ouvrir ici aussi au cas où. Elle peut descendre ou pas? Ah oui, tout à l'heure elle est descendue. Je suis un fou. Putain, mais vas-y. Où c'est que je te brûle, espèce de poupée en carton, en mousse?
Non mais là par contre les développeurs ils abusent là. Au moins je sais pas, donnez-nous des indices quoi. Chaudière. C'est bon, genre j'ai pas assez peur que de traverser toute la baraque pour savoir. Ah c'est peut-être là. J'ai pas le temps de lire. J'ai compris que c'était ici. Putain mais voilà on s'en sort. Et par contre qu'elle m'attaque pas quand je suis ici parce qu'en vrai je te jure. Oh putain j'aurais dû laisser le bois. Ah ouais ici je vais laisser le bois. Ah je peux pas laisser le bois. Okay. Non mais m'attaque pas quand je suis ici, t'abuses là. Ok maintenant, elles sont où ces petites gambadeuses là? Et allez toi viens là, hop et... J'ai du bois, j'ai des allumettes, parfait, j'ai plus qu'à faire tout le tour. Ah non c'est juste là en fait, hop tac tac tac, hop tac tac, allez c'est chiant. Les oreilles, elles ont pris un coup. Là, elle me dirait arrête de jouer avec les portes. Allumer le G, j'ai pas de bois, mais je sais qu'il y en a plein en bas. Oh, oh toi. Oh toi, t'es marqué en plus. Oh, elles sont toutes là, parfait. Ah putain. Oh, le gameplay de merde. Là. J'ai pas de bois. Putain le con, je l'ai dit en plus. Là. Oh là j'ai trouvé la strat là, en vrai ça va vite. Hein. Je suis en train de m'endormir, je ne réponds plus. C'est que je rempiche un peu. Mais t'inquiète, t'inquiète. T'as raison, c'est plus important de dormir. Ok, j'en ai encore apparemment. Oh, encore une qui est marquée. C'est quoi? Je repasse par là. Moi, je pourrais jamais m'endormir avant 3 jours là avec tout ce que je suis en train de vivre. Oh, du bois. Okay. Parfait. Rican, Rican, dans 2 minutes t'es au feu. Tu vas voir, je vais t'apprendre. T'apprends les bonnes manières. Faire peur aux gens. Pour moi ça va être plus dur parce que je sais pas où elles sont les autres. Je suis à 6, il en faut 7 ou 9. Le chat. Le chat il endort trop en vrai. C'est trop bien un chat. Bon là par contre c'est abusé. Okay, this is the place.
way in and check the entire house. C'est abusé parce que depuis tout à l'heure, elle passe à côté de moi, il se passe pas grand chose, et là que j'en ai 5, 6 de poupées, ça y est. Je rush la game. Salut toi. Du coup, on sait ce qu'il faut faire. Ça. C'est la dernière game après. Soit je change de jeu, soit je vais me coucher aussi. Voilà. Mais carrément, elle court trop bizarre, j'aime pas. Qu'est-ce que je fais? Oh, Hugo, t'es con. Là, je peux rien faire en fait, là, elle m'a bloqué. Oh! Ah non. Déjà la pluie qui s'arrête, c'est... Non mais là, elle me... Non, là, elle me streamac, là. Non, là, c'est pas possible, là. Je l'entends, cette folle, elle me croit après. Oh non, il y a tout ce que j'aime pas, là. Oh, sa mère, j'aime pas. Oh, là, clairement, je me... Non, moi, je peux pas, là. Je suis mort. Là, j'ai envie de faire pause dans la vie en fait. Là, j'ai envie de faire pause. J'ai envie de tout arrêter. Me remettre en question. Putain, mais je crois que je l'entends. Elle est avec moi. Hein. Mais le marché est trop bizarre. Ah non, mais là, moi, elle m'a assassiné là. J'ai peur de tout maintenant. Oh mon Dieu. Non mais là elle me streamac en plus. Et si je me retrouve là, au bout d'une porte qui s'ouvre pas, je fais quoi en vrai? Je peux rien faire. Bon, la première clé, c'était dans une chambre. Putain, mais j'entends marcher, j'espère que c'est pas elle. Là, mais là, elle zone le bas, là. Je peux rien faire. Oh là. La sœur de... Qu'est-ce que tu racontes, Hugo? Qu'est-ce que tu racontes? Dégage. Faut que j'aille de l'autre côté. Je commence à comprendre un peu la maison, mais je suis pas très à l'aise encore. Je viens d'un endroit comme ça pour récupérer la clé. Clé de la chambre. Putain, ça y est, je suis repoumé. Ah, t'es de ricaner. Non mais.
Bonne nuit. Bon. Ciao, ciao. I'm turning to the man I used to be.